Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, différentes tournures tactiques peuvent aboutir à l'ouverture de ligne. Les sacrifices matériels qui sont liés pouvant être momentanés ou à long terme. Si on sacrifie une figure, bien sûr, comme un cavalier ou un fou, pour ouvrir une ligne, il faut évidemment que cette ouverture de ligne soit particulièrement importante pour offrir un gain substantiel, éventuellement déjà récupérer le matériel sacrifié. Il faut donc faire une analyse préliminaire, une réflexion sur le coup que l'on veut jouer. Voici un exemple particulièrement caractéristique. Ça a été joué par Konstantinopolski pour les Blancs contre Kolmov pour les Noirs lors de la demi-finale du 28e championnat du RSS en 1960. C'est aux Blancs à jouer. Ils ont joué cavalier D5. C'est un sacrifice de figure momentané. Ils vont récupérer tout de suite leur pièce. Ils réussissent ainsi à ouvrir la colonne C. Notons que sur E prend D5, C prend D5, ils regagnent la figure avec avantage grâce au clouage du fou qui est ici. Le fou est condamné. Et les noirs ne doivent pas reprendre en D5. Et les noirs doivent prendre en D5. Ils n'ont pas le choix parce que sur dame B7, alors cavalier prend F6, fou prend F6, fou prend F6, G prend F6 et B4 avec une très violente attaque sur la position des noirs. Donc cavalier D5, de même, s'il joue roi F8 pour protéger le fou, alors cavalier prend E7, roi prend E7 pour éviter de laisser le fou sans protection, et E5, à nouveau un très bon coup, D prend E5, fou A3, échec, roi E8, et dame B4, et là, avec une menace, d'attaque et de mat qui font paître très rapidement la partie. Donc, dans la partie, après cavalier D5, il décidait de reprendre avec le fou. Mais alors, C prend D5, qui ouvre la colonne C. Dame D7, et fou H3, et après quoi, la position des blancs est très largement supérieure, avec cette domination de la colonne, et plus le fou qui attaque le centre, avec le pion qui l'attaque aussi, et très rapidement, la prise ici ne serait pas très bonne non plus, ça ouvre l'autre colonne, et après quoi, les blancs n'ont pas tardé à réaliser leur supériorité positionnelle. Alors, nous verrons un autre exemple très instructif dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.